someone's got to rule. The enemy's picking you 'cause he's no fool. Easy as wet as an owl, quick as a fox, as fast as an antelope, strong as an ox. With those that are weak, he's as gentle as a lamb. With those that are wicked, he's a battering ram. He's a monarch, he's a master, he's the leader of the pack. The maestro, the mogul, he's a neighbor with the neck. The commander, he's the chief, the boss of everything. All hail Leo, he's the jungle Il était une fois un pays où les prétendants au trône étaient nombreux, mais il ne peut y avoir qu'un seul roi de la jungle, et celui-ci s'appelle Léo. Il est admiré par les uns, craint par les autres, et ses actions héroïques sont légendaires. Il dirige son royaume d'une poigne d'acier. Mais notre lion n'est pas un héros. Du moins, pas encore. Pour les tout-petits, la vie dans la jungle est tranquille, insouciante. Mais hélas, ça ne va pas durer. Le danger se cache derrière chaque arbre, derrière chaque brin d'herbe. Et notre petit lion va le découvrir à ses dépens. Elle est pas loin. Maman, qu'est-ce que tu as? Tu l'as eu, elle est là. Comme la plupart des rois, Léo n'a plus aucune relation avec ses sujets. Et s'il fut brave autrefois, il est devenu égoïste. Et bien entendu, il ne s'est pas aperçu que nombre de ses amis ont disparu. Ceux qui restent sont bouleversés et en colère. Excuse-nous, ô majesté. On ne veut pas troubler ta royale indifférence, mais permets-nous de te dire que tu es un roi minable. Je vous demande pardon, ai-je bien compris? Ouais, je dirais même plus. Un roi très minable. Et nous attendons de toi plus d'attention. Ou bien nous demanderons ta démission. Merci, justement, on avait trop chaud. Mmh.
m'as-tu retrouvé? Je vous ai suivi quand ils t'ont emporté. J'avais peur qu'ils t'aient tué. C'était simplement une flèche. C'est fait pour endormir. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont fait ça, maman? Je n'en sais rien. Mais tu peux pas rester. Vite, quelqu'un vient. Allez, vite, va te cacher. J'ai réussi à joindre le cirque. Monsieur Ismat viendra en personne. Eh bien, et quand? Il arrive vendredi. Est-ce qu'il apportera l'argent? Ah oui, au centime près, comme c'était prévu. Qu'est-ce que c'est? Tu n'y arriveras pas, pars. Mais regarde un lionceau. Attrape-le! Ils arrivent. Sauve-toi, vite, sinon ils vont te capturer. Je vais venir. Sauve-toi! Attrape-le! Je te tiens, sale petit avorton! Il peut courir, mais il sait pas où aller! Chagrin, abandonné sans amis, j'ai plus personne dans la vie. Je suis affamée, je voudrais manger. Je suis fatiguée, je ne peux plus marcher. Le monde est méchant, personne ne m'aime. Je suis seule dans la jungle, il n'y a plus de toi. Seul, ou tellement seul. Oh maman, pourquoi t'ont-ils pris? Et je sais qu'ils veulent m'attraper aussi. J'ai si peur, je suis tout petit. Oh maman, maman, te reverrai-je un jour? J'ai tant besoin de toi, besoin de ton amour. Comment vivre sans toi, si tu ne reviens pas, seul pour toujours? Je suis perdue, je n'en peux plus. Je suis tout seul, tellement seul. Plein de larmes et de chagrin. Oh maman, j'ai peur, je suis tout seul. Oh maman, regarde ce que nous avons là. Oh, mais faut pas avoir peur, on va pas te faire de mal. On va seulement te vendre un cirque. Attention! Fichons le camp et vite! Est-ce que tu crois qu'on m'appelle pas le roi de la jungle pour rien? Oh, ces gamins, tu devrais faire bien plus attention. Et d'ailleurs, est-ce que ta maman sait que tu es là? C'est...
Ces deux animaux à deux pattes qui l'ont enlevé. Tu veux bien m'aider à la sauver? Je peux pas. Mais... je suis très occupé. Et d'ailleurs, dans la jungle, c'est chacun pour soi. Tu devrais aussi ne pas l'oublier. Je peux venir avec toi? Non! Je t'ai dit non. Tu es un être méprisable. Une autre fois. Laisse-moi tranquille. Mais j'ai nulle part où aller. Personne pour s'occuper de moi. Ça, mon petit gars, c'est ton problème. Le mien, c'est de faire mon métier de roi. Ah, ça va, ça va. Ça va. Tu peux venir avec moi. Évidemment, puisque je te le dis. Allez, viens. Et comment je peux t'appeler, Léon, Majesté, mon papa? Comment? Écoute, tu peux m'appeler comme tu veux, mais surtout pas mon papa. Toutes ces étoiles là-haut dans le ciel ont un nom. Elles nous apprennent qui nous sommes réellement. Comment ça? Eh bien, si tu regardes très attentivement, tu peux voir un groupe d'étoiles qui forme un lion prêt à attaquer et qui a l'air méchant. Ah oui, je le vois! Très bien. Ce groupe d'étoiles, c'est le signe du lion et on l'a appelé comme ça à cause de moi. Oh! Eh bien, vois-tu, mon garçon, si tu es né sous ces étoiles, c'est le signe que tu deviendras très brave et très puissant et peut-être même, pourquoi pas, un roi. Qu'est-ce que ça fait, un roi? Eh bien, un roi, c'est un vrai chef. Il se doit d'être féroce et les autres ont peur de lui. Je dois avoir peur, moi aussi? Ah, je sais pas. Est-ce que tu as peur, hein? Pas vraiment. Enfin, tu devrais quand même te méfier. Mais au fait, tu ne m'as pas dit comment tu t'appelles. C'est que j'ai pas de nom. Voyons, c'est idiot, tout le monde a un nom. Ah. Pourquoi pas Léo? Hein? Impossible, c'est déjà pris. D'ailleurs, avant que tu sois Léo je ne sais quoi, il y a un tas de choses que tu dois apprendre. Et après, je pourrais m'appeler Léo? Oh, est-ce que tu peux être têtu? Ah, c'est toi qui as dit que tout le monde a un nom. Je peux être Léo 2? Bon, écoute, on verra. En attendant, je vais t'appeler Toui. Ça te va? Bon, maintenant, dors. Demain, on se met au travail. Et ne souris pas. Les rois ne doivent pas sourire. Maintenant,
maintenant, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Reste contre le vent par rapport à ta proie. Reste au ras du sol et tout ça en silence. Contre le vent, au sol en silence. Chut, chut. Voyons, tu en es capable. Tu es un lion. Un peu de courage, bon sang. Je te l'avais bien dit. Tu vas recommencer. Écoute-moi, petit, si tu apprends pas à bondir sur ta proie, tu vas vite mourir de faim. Alors, au travail. Oui, Léo. Je veux pas que tu sois comme moi. Je veux seulement que tu essaies d'être le meilleur que tu peux, compris ? Compris, compris. Encore autre chose, tu dois toujours être sur tes gardes et être conscient de ce qui se passe autour de toi. Ah oui, je comprends. Maintenant, fais-moi voir comment tu rugis. Quoi ? Bah, tu sais. Miaou ! C'est tout ? Bah oui, j'ai jamais appris à rugir. Le rugissement est très important, il est nécessaire pour effrayer, mais aussi pour appeler d'autres lions si jamais tu es en danger. Maintenant, ouvre bien ta bouche. Plus encore. Allez, maintenant, rugis. Oh, ça va pas être facile. Il faut que ça monte de ton diaphragme. Mon diaphragme? Le diaphragme, c'est le muscle entre ta poitrine et ton estomac. Ta voix est là, elle arrive directement de cet endroit. C'est ça, maintenant ouvre ta bouche bien grande et laisse sortir le son. Oh, j'adore. N'en fais pas, petit. On fera revenir le sourire sur ce joli visage. Super. Attends, on ne peut pas débarquer comme ça au milieu du camp. Il nous faut un plan. Cache-toi. Ouvrez-moi cette cage. C'est bon, tiens-le. Et laissez-moi me passer, là.
Oui, mes amis, pensez qu'à cette heure-là demain, on sera des hommes riches. Allô? Ils sont trop nombreux. Nous, on est que deux. Il nous faut de l'aide. Je croyais que tu étais le roi de la jungle. Oui, justement, et je tiens à le rester. Allez, en route. Maintenant. Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Du calme. Silence. C'est beaucoup mieux. Tout d'abord, au nom du petit Toui et en mon nom, je tiens à vous remercier tous d'avoir accepté de vous déplacer. Vous n'avez pas le choix. C'est sans importance. L'important aujourd'hui, c'est Toui qui a grand besoin de votre aide. Maman va être vendue à un cirque. Désolé, fils. Et beaucoup de nos amis ont été capturés, eux aussi. Les amis de qui? Ouais, tu n'as plus aucun ami. Ton manque total d'intérêt pour tes semblables n'a d'égal que ton manque total de sensibilité. Ça suffit. Essayez de comprendre. J'ai besoin de votre aide pour les libérer. C'est toi le roi, tu te débrouilles? Ouais, t'as qu'à le faire. Je peux pas y arriver tout seul. Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait? Toi, tu nous as jamais aidés. Tu nous as même ôté le pain de la bouche. C'est bien fait. Hey, regarde ce que tu m'as fait, tu as vu mes dents, hein? Oh. Ah. C'est pas parce que tu es un roi que tu dois pas être sociable. Là, il a son fait. Il avait qu'à y penser, écoutez. Pour qui il se prend? Taisez-vous. Peut-être que si tu présentes tes excuses, nous accepterons de t'aider. Hein? Je suis le roi et je n'ai pas à m'excuser pour ce que je fais à mes sujets. Et nous, on est pas obligés de t'aider. Exact. Je rentre chez moi. Attendez, partez pas. Regarde ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'y peux? Dis-leur que t'es désolé. Certainement pas. Mais dis donc, c'est ça, roi? Oh, tu étais mon héros! Je voulais grandir pour devenir comme toi! Bah, plus maintenant! Je te trouve nul! Tu me trouves comment? Nul! Il faut du courage pour demander pardon! Alors peut-être que t'es pas aussi brave que ça après tout! Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'un enfant! Je suis sûre que tu peux avoir tort! Est-ce que t'as déjà pensé à ça? Moi? Jamais! Oh, je suis pas un si mauvais gars! Peut-être bien que oui. On me dit méchant et terrifiant, mais vous me connaissez pas. Mes rugissements sont effrayants, ils vous laissent tout tremblant. Mes gros sont pointus comme des pics, mais tout au fond, je suis un chic type. Tout au fond, je suis un chic type. Je peux vous le prouver, je vais essayer. J'serai votre ami, j'serai votre copain. Car tout au fond, je suis quelqu'un de bien. Je suis pas féroce, je suis pas cruel. Je me moque pas de tout. Je suis pas une brute, et j'ai qu'un but, c'est de tout faire pour vous. Ne craignez rien, je vous veux du bien, car tout au fond, je suis un chic type.
D'autres font, je suis un chic type, je peux vous le prouver. J'ai essayé, j'serai votre ami, j'serai votre copain. Car tout au fond, je suis quelqu'un de bien. Je sais que j'étais pas un bon roi, mais regardez-moi aujourd'hui. J'ai changé, vous le voyez bien. Car tout au fond, je suis un chic type. Tout au fond, je suis un chic type. Je peux vous le prouver. Je vais essayer, je serai votre ami, je serai votre copain. Car tout au fond, je suis quelqu'un de bien. Yeah, tout au fond, je suis quelqu'un de bien. Oh ouais. Vous êtes avec moi? Oui! Alors suivez-moi en roue! On est arrivé trop tard. Oh, maman! Jack, c'est de plus en plus difficile d'avoir des animaux sauvages. Ravi de vous satisfaire, Monsieur Eastman. Ah, j'imagine déjà les ailes. Approchez, approchez, venez voir nos extraordinaires bêtes sauvages. Elles viennent tout droit d'Afrique. Elles étaient encore hier au cœur de la jungle. Approchez, approchez. Une expérience inoubliable à ne pas manquer. Il nous reste une petite question à débattre, Monsieur Eastman. Le paiement, hein. Vous n'imaginez tout de même pas que je suis un homme malhonnête, non hein? Évidemment pas. Si vous voulez bien venir dans mon bureau. Approchez, écoutez. Voilà, nous allons commencer. Je passe par là. On y est presque. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Voilà, 50 000 comme convenu. C'est un réel plaisir de traiter avec vous, Monsieur Eastman. Tout le plaisir est pour moi, Jack. C'est un serpent! Allez! Ils sont plus là. Reste où tu es. Je reviendrai.
voilà devenu un véritable héros. Oh, oui. Vite, il faut qu'on aille aider Léo. Que tous les animaux de la jungle chantent à nos touches. Oh, on touche presque au but. Ils n'iront pas loin. Sous que faire ? Ah, je vous en prie, je ne sais pas nager. On va se noyer ! Je vous tiens, mes jolis. Personne ne met en échec le grand James Eastman. Wow.
suis sauvé. Et c'est grâce à Touhi. Bolette, sauvez-moi! Je promets que je ne reviendrai jamais, je le promets! Je vous en prie, sentez-moi de la... Oui, Dieu, si on promet tout ce que vous voulez! Je voudrais tous vous dire un grand merci pour cette magnifique réception, j'en suis honoré. Et deuxièmement, je veux faire une proclamation solennelle. À partir d'aujourd'hui, je me conduirai en roi. Je vous donne ma parole que je serai à l'écoute de tous vos problèmes et que je ne serai plus égoïste. Et tu seras plus arrogant? Et plus dédaigneux? Ah, ça non. Ben, quand je saurai ce que c'est. Mais je veux surtout remercier mon cher Touhi, car il m'a sauvé la vie. Et sans Touhi, vous auriez perdu votre roi. Touhi, 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 Touhi. Très bien, ça suffit, arrêtez. Touhi est l'exemple vivant de ce que chacun de nous doit faire. Quand il a fallu venir en aide à son prochain, Touhi l'a fait. N'oubliez jamais ça. Je t'aime, petit. Je t'aime. Oh, appelle-moi papa. Je t'aime aussi, papa. Thank you.
Léo est resté fidèle à sa parole. Et de ce jour, il a dirigé son royaume avec gentillesse et compréhension. Il est devenu père de famille. Il a pris la maman de Touhi comme reine. Et quant à Touhi... Il est devenu un jeune lion très fort et il est connu sous le nom de Léo le Second. Un jour, ce sera lui, le roi de la jungle. Et terrifiant, mais vous me connaissez pas. Mes rugissements sont effrayants, ils vous laissent tout tremblant. Mes crocs sont pointus comme des pics, mais tout au fond, je suis un chic type. Tout au fond, je suis un chic type. Je peux vous le prouver, j'ai essayé, je serai votre ami, je serai votre copain, car tout au fond, je suis quelqu'un de bien. Cruel, je me moque pas de tout. Je suis pas une brute et j'ai qu'un but, c'est de tout faire pour vous. Ne craignez rien, je vous veux du bien, car tout au fond, je suis un chic type. Tout au fond, je suis un chic type. Je peux vous le trouver, je vais essayer. Je serai votre ami, je serai votre copain, car tout au fond, je suis quelqu'un de bien. Je sais que j'étais pas. Elle est pas loin. Maman, qu'est-ce que tu as? Tu l'as eu, elle est là. Comme la plupart des rois, Léo n'a plus aucune relation avec ses sujets. Et s'il fut brave autrefois, il est devenu égoïste. Et bien entendu, il ne s'est pas aperçu que nombre de ses amis ont disparu. Ceux qui restent sont bouleversés et en colère. Excuse-nous, ô majesté.
On ne veut pas troubler ta royale indifférence, mais permets-nous de te dire que t'es un roi minable. Je vous demande pardon, ai-je bien compris? Ouais, je dirais même plus. Un roi très minable. Et nous attendons de toi plus d'attention. Ou bien nous demanderons ta démission. Merci, justement, on avait trop chaud. J'ai réussi à joindre le cirque. Monsieur Ismat viendra en personne. Eh bien, et quand? Il arrive vendredi. Est-ce qu'il apportera l'argent? Ah oui, au centime près, comme c'était prévu. Qu'est-ce que c'est? Tu n'y arriveras pas à part. Mais regarde un lionceau. Attrape-le! Ils arrivent. Sauve-toi, vite, sinon ils vont te capturer. Je vais revenir. Sauve-toi! Attrape-le! Je te tiens, sale petit avorton! Il peut courir, mais il sait pas où aller! Chagrin, abandonné sans amis, j'ai plus personne dans la vie. Je suis affamée, je voudrais manger. Je suis fatiguée, je ne peux plus marcher. Le monde est méchant, personne ne m'aime. Je suis seule dans la jungle, mais plus de toi. Voyons, tu en es capable. Tu es un lion. Un peu de courage, bon sang. Je te l'avais bien dit. Tu vas recommencer. Écoute-moi, petit, si tu apprends pas à bondir sur ta proie, tu vas vite mourir de faim. Alors, au travail. Oui, Léo. Thank you.
Seulement que tu essaies d'être le meilleur que tu peux, compris? Compris, compris. Encore autre chose, tu dois toujours être sur tes gardes et être conscient de ce qui se passe autour de toi. Ah oui, je comprends. Maintenant, fais-moi voir comment tu rugis. Quoi? Ben, tu sais. Miaou! C'est tout? Bah oui, j'ai jamais appris à rugir. Le rugissement est très important, il est nécessaire pour effrayer, mais aussi pour appeler d'autres lions si jamais tu es en danger. Maintenant, ouvre bien ta bouche. Plus encore. Allez, maintenant, rugis. Oh, ça va pas être facile. Il faut que ça monte de ton diaphragme. Mon diaphragme? Le diaphragme, c'est le muscle entre ta poitrine et ton estomac. Ta voix est là, elle arrive directement de cet endroit. C'est ça, maintenant ouvre ta bouche bien grande et laisse sortir le son. Il était une fois un pays où les prétendants au trône étaient nombreux, mais il ne peut y avoir qu'un seul roi de la jungle, et celui-ci s'appelle Léo. Il est admiré par les uns, craint par les autres, et ses actions héroïques sont légendaires. Il dirige son royaume d'une poigne d'acier. Mais notre lion n'est pas un héros. Du moins, pas encore. Pour les tout-petits, la vie dans la jungle est tranquille, insouciante. Mais hélas, ça ne va pas durer. Le danger se cache derrière chaque arbre, derrière chaque brin d'herbe. Et notre petit lion va le découvrir à ses dépens. Ha ha ha!
Ça, mon petit gars, c'est ton problème. Le mien, c'est de faire mon métier de roi. Ça va, ça va. Ça va. Tu peux venir avec moi. C'est vrai? Évidemment, puisque je te le dis. Allez, viens. Et comment je peux t'appeler, Léon, Majesté, mon papa? Comment? Écoute, tu peux m'appeler comme tu veux, mais surtout pas mon papa. Toutes ces étoiles là-haut dans le ciel ont un nom. Elles nous apprennent qui nous sommes réellement. Comment ça? Eh bien, si tu regardes très attentivement, tu peux voir un groupe d'étoiles qui forme un lion prêt à attaquer et qui a l'air méchant. Ah oui, je le vois. Très bien. Ce groupe d'étoiles, c'est le signe du lion et on l'a appelé comme ça à cause de moi. Oh. Eh bien, vois-tu, mon garçon, si tu es né sous ces étoiles, c'est le signe que tu deviendras très brave et très puissant et peut-être même, pourquoi pas, qu'est-ce que ça fait un roi? Eh bien, un roi, c'est un vrai chef. Il se doit d'être féroce et les autres ont peur de lui. Je dois avoir peur, moi aussi? Ah, je sais pas. Est-ce que tu as peur? Hein? Pas vraiment. Enfin, tu devrais quand même te méfier. Mais au fait, tu ne m'as pas dit comment tu t'appelles. C'est que j'ai pas de nom. Voyons, c'est idiot, tout le monde a un nom. Oh. Pourquoi pas Léo? Hein? Impossible, c'est déjà pris. D'ailleurs, avant que tu sois Léo je ne sais quoi, il y a un tas de choses que tu dois apprendre. Et après, je pourrais m'appeler Léo? Oh, est-ce que tu peux être têtu? Ah, c'est toi qui as dit que tout le monde a un nom. Je peux être Léo 2? Bon, écoute, on verra. En attendant, je vais t'appeler Toui. Ça te va? Bon, maintenant, dors. Demain, on se met au travail. Et ne souris pas. Les rois ne doivent pas sourire. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Reste contre le vent par rapport à ta proie. Reste au ras du sol et tout ça en silence. Contre le vent, au sol en silence. Chut, chut. Oh, désolé. Je suis tout seul. Oh, tellement seul. Oh, maman, pourquoi t'ont-ils pris? Et je sais qu'ils veulent m'attraper aussi. J'ai si peur, je suis tout petit. Oh maman, maman, te reverrai-je un jour? J'ai tant besoin de toi, besoin de ton amour. Comment vivre sans toi si tu ne reviens pas? J'ai peur, je suis tout seul.
Oh, maman! Regarde ce que nous avons là. Oh, mais faut pas avoir peur, on va pas te faire de mal. On va seulement te vendre un cirque. Attention! Fichons le camp et vite! Est-ce que tu crois on m'appelle pas le roi de la jungle pour rien? Oh, ces gamins, tu devrais faire bien plus attention. Et d'ailleurs, est-ce que ta maman sait que tu es là? C'est deux animaux à deux pattes qui l'ont enlevé. Tu veux bien m'aider à la sauver? Je peux pas. Je suis très occupé. Et d'ailleurs, dans la jungle, c'est chacun pour soi. Tu devrais aussi ne pas l'oublier. Je peux venir avec toi? Non! Je t'ai dit non! Méprisable. Moi, je vais pas te le répéter une autre fois. Laisse-moi tranquille.